Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de vocabulaire. Vous le voyez sur l'écran, des mots de 7 lettres. Et oui, on joue avec 7 lettres au Scrabble. Et donc, c'est bien utile de connaître les mots de 7 lettres pour pouvoir éventuellement obtenir la prime de Scrabble à 50 points. Et pour cette session, je suis avec un fidèle des séances de vocabulaire, c'est Edouard. Bonjour Edouard. Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors, on y va tout de suite. Donc, nous avons du pain sur la planche, comme à l'habitude. On espère que ces séances et ces vidéos vous sont profitables, qu'elles vous font apprendre des mots. Bien sûr, après, n'hésitez pas à approfondir de votre côté. C'est l'idée. Donc, on va faire des mots de 7 lettres de poids 4. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir, par exemple, une lettre à 4 points accompagné d'une lettre à 2 points. Du genre babille, Voilà, peut-être 2 de, deux lettres à 2B, trois ça peut être 2 lettres à 3 points aussi, voilà. BP, un dé aller aussi, avec une lettre à deux points, une lettre à quatre voilà, points. un H avec un D, un H avec un M, un H avec un. On pourrait faire, lister hein, d'ailleurs toute la répartition, mais vous allez la découvrir au fur et à mesure. Alors, comme vous le voyez, on a déjà fait des vidéos sur 4 bases ici, donc certaines de 400 mots, plus sinon 300 mots, 240 mots. On fera aussi celle, la deuxième, et puis là, on part pour une petite base. On va la couper en deux parce qu'elle était trop grosse, la 621. Donc, elle est coupée en 4 hein, dans le logiciel, donc vous pouvez la travailler par bloc de 155. Et là, on va en faire deux. Voilà, ce qui paraît raisonnable. Pour des mots qui sont pas si faciles. Voilà, allons-y. Alors, est-ce que c'est cadré? Évidemment non. Le vocabulaire, il est prêt. La définition en bas de l'écran, vous en avez l'habitude. Avant qu'une série apparaisse, n'hésitez pas à mettre la pause pour chercher vous-même les mots. Alors, ici, nous avons la nouvelle fenêtre et tout. Alors en place, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait le vocabulaire, mais tout est cadré comme il faut et nous pouvons commencer, Edouard. Eh bien, Émione, et je crois que c'est un âne. Ou alors là, ça commence très très fort. Premier Ah mot, oui. première tentative. Ça promet pour les 300 mots à peu près qu'on va faire dans cette session. 312, si je compte bien. Alors, Boursier, Ouais. serait-ce 8 ou Alors, 7? j'aurais 17, voilà, Ouais. pour être plus mesuré. On le Plectre. verra tout à l'heure. Plectre, ça fait un peu Il bizarre. s'est Picross. rajouté un plectre, on l'appelle aussi parfois médiator pour jouer de la guitare. Ah, c'est pareil. D'accord. En fait, c'est pas tout à fait pareil, je crois que c'est plutôt utilisé sur d'autres instruments comme la balalaïka. Mais bon, c'est quelque chose de similaire. D'accord. Bicross que j'ai tapé hier dans une série de vocabulaire, donc ça tombe bien. Caribou pour nos amis du Québec. On les salue. Ah, ça, c'est un. Oh oui, alors là c'est sûr que c'est l'ODS-8 là. Dubcart. Pas facile à former, hein. On peut facilement croire qu'il n'y a rien avec ces lettres. Oui, c'est assez tentant. Anne. Aninga également. Oui. On peut penser que ce tirage est assez moche. Et boum le Scrabble. Akur, qui est l'anagramme de. De Akoué. Oh, c'est Super juste prononcé. inverser deux lettres. Et ça a un rapport aussi avec les ânes, je crois, où on les attache par la queue. Mais c'est le festival des ânes là. Oui. Et Barbeau, c'est un âne aussi ou. Je ne crois pas. Mais en fait, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est un animal quand Peut-être un poisson? Ou même. pas? Je sais pas. Peut-être parce qu'il y a le barbet qui est un poisson, peut-être qu'il y a les Ah, je deux. mélange peut-être. Sirocco qui s'écrit avec un ou deux C. C'est ça. Un vent du désert, du Sahara, je dirais. On verra. Oui, je Peut-être pas pense du que c'est Sahara. un vent, effectivement. Ferlage. Les bains. Alors, plébin qui n'a pas de féminin, hein, on est d'accord? Ouais. La piscine. Ah, Eh oui. ouf. D'ailleurs, on n'est que deux, hein. Il y en a qui avaient piscine hein, pour cette vacance. Ne pas venir à cette séance de vocabulaire. Coécrit. C'est difficile, au D7. Ouais.
Vazard, Arabica, Froment. Il forme froment. C'est subtil tout de même. Ah oui. Bricolo. Ouais, c'est pas pinceauté, hein, c'est épinceauté. Et pinceté, oui. Bricolo, brocoli. Ouais, encore une inversion de deux lettres. Viagère. Ouais, c'est pas facile de faire VIA là, comme ça au début, je trouve. Cardium. Bobette. Bobette, c'est en Suisse, je pense. C'est un peu niais ou quelque chose comme ça. Je l'ignore. Crémage, je dirais, parce que je trouve rien Ça d'autre. sonne bien. Éclopé. Ça c'est un adjectif, on est d'accord? Ouais, c'est un adjectif. Figulin, qui donne figuline aussi. Ardeur, qui est On en entrée connaît. assez tard, je crois. Psylopa, dans le genre des mots dont on n'imagine pas l'existence avant de faire du Ouais, Scrabble. ça c'est sûr. Strip, je pense, non? Du verbe stripper, ça se tient. Il y a aussi Ouais. le stripage, il me semble. Ouais. Optimum, Optimum. que j'ai raté l'autre jour. Et un Et plateau. Bien, pour cette première série, nous n'avons pas commis d'erreur. Ça commence plutôt bien. Émion, Émiol, hein, les cousins. Alors, tu as tenté le coup de l'âne. Allons-y. ouais. Allons-y pour. Oh oui, Edouard, Ah. qui est tenant de l'âne et du cheval, mais c'est bien quand même. Ouais, j'étais pas. Ouais, J'avais à moitié bon. tu mérites un point définition quand même là. Alors, tandis que Émiol, strictement rien à voir, division rythmique des mesures en musique. Oui, c'est ce qui. Les miaules, c'est ce qui consiste notamment en musique du Moyen-Âge à diviser de manière différente. On en a un exemple dans West Side Story qui n'est pas du Moyen-Âge, c'est. I want to live in America. Mais bon, je ne vais pas entrer dans le détail, il faudrait faire un cours de Ah ouais, musique. là, ça m'a l'air assez technique. Mais c'est. Oui, c'est des variations de rythme, c'est assez intéressant. Allons-y pour le voile trapézoïdal, le Ou bourset. la voile, je pense, parce La que. voile, mais. Mais La c'est un nom voile en. masculin, mais ouais, ok. Oui, et qui est une voile. Le mât de misaine et sa voile. Ouais, d'accord. Plectre. Donc effectivement, à noter l'appui au porte-clés, porcelet pécloté, Oh oui. avec le petit OD suite, porte-clés au passage. Voilà. Suivant plectre, nous avions le bicross, vélo tout-terrain. Oh, le sport pratiqué avec ce vélo, je vais prendre une souris plus silencieuse. Bon ben, un tirage assez pauvre, en termes d'appui, etc., de prolongement. Caribou, donc voilà. Noté spécial. Le dog cart, donc la voiture servant à transporter des chiens de chasse. Haninga, OD5, oiseau tropical. Akoué, attacher des chevaux, ah oui, par la queue, voilà, c'est ça, correct. J'imagine que ça fonctionne pour les ânes. Va savoir si on le fait. Parce que déjà, pourquoi est-ce qu'on fait ça avec des chevaux? J'imagine qu'il doit y avoir une raison. Il y a peut-être une raison pour que ce soit des chevaux J'espère plutôt que c'est une que bonne des raison. Ouais. Alors là, ils mettent quand même dans le quick attacher des chevaux les uns derrière les autres. Apparemment, il y a aussi un terme de chasse blesser un cerf à défaut de l'épaule. Au défaut de l'épaule. Oulala. Ok, acculer un cerf. Bon, il y a de quoi faire. On est avec ce verbe accouer apparemment. Le fameux barbeau. Poisson, mais oui, un point, poisson! Alors, c'est pas que ça, apparemment. Oui. Ben, ok, sous tonnerre. Ouais, c'est la définition qu'on pense plus connue, peut-être, j'imagine. Sirocco. Est-ce que ça veut dire un proxénète? Ben, je me demande. Je me demande. Donc, Sirocco, c'est bien le vent et on peut bien l'écrire avec un seul C. Et c'est écrit ici. Il y a Barbeau aussi, mais ça, c'est peut-être rien à voir pour le coup. Ouais, encore un poisson barbeau. Ah, peut-être je confondais avec ça d'ailleurs. Barbeau, barbotte. Et barbet, tu disais?
Ah, un brigand, un chien, une Le rouge guimbe. est parfait. Ah, ouais, ok. C'est écrit en dessous, là. D'accord. Ferlage. Déferlage. Fermage, ferrage, perlage. Plébin, pléban. Ouais, donc c'est. Chef d'un clergé paroissial. Piscine. Est-ce qu'il n'y a pas piscinal? Non, faux. Il faut jouer 6 alpins. Ok, d'accord. Je m'en rappelle maintenant. Le verbe coécrire, que des 7, vazard, vazard, sablonneux, arabica, c'est le café, froment. Qu'est-ce qu'on nous dit? Fromental! Ah oui, Ouais. d'accord, pas mal. On l'a rencontré plusieurs fois, Fromental, Ah ouais? dans les appuis notamment, il me semble. Ah oui, d'accord. C'est assez gros un barbeau en fait. Ah. Ah, pectine qui est également l'adjectif pectiné, Oui. qui est l'anagramme des pinces ET. On y revient. Bon ben je Brique. confirme, souteneur, c'est un proxénète. D'accord, comme ça, c'est confirmé. Viager, viagère. Cardium, c'est un coquillage, c'est ça alors. Plus O, Voilà. Morico. Bobet, Bobette. Oui, c'est le Nigo suisse. Un Ah. deuxième point de définition. Bon, Edouard, on a marqué un maximum de points de définition sur cette série. Ben j'ai des photos de cardium sous les yeux, c'est impressionnant. Ah. Alors, crémage et crémage. Hein. Voilà. Logique, on peut dire. Clopé, adjectif. Figulin, figuline, en effet. Relatif à la poterie. Ben. Ardeur ardeuse, il n'y a pas de problème. Psylopa, la mouche. Près d'un puits de pétrole, et bien ça alors. Optimum, optima. Oui, le pluriel, optima ou optimum avec un S. Le verbe striper. Et. Je sais pas pourquoi j'ai écrit verbe transitif alors que c'était déjà indiqué sur la droite. Et. Ah, ça doit dater de l'époque où le logiciel ne mettait pas les verbes transitifs en icône. Il y a pas un appui sympa pour optimum. Vu comme ça, j'en vois pas, mais j'imaginerais bien. T'en veux trop là, y a rien. Eh ben non. Placeau, une parcelle de forêt réservée à l'expérimentation. Et bien voilà, pour cette première série, il y avait déjà largement de quoi se sustenter. On n'a pas mentionné que Bobette, c'était. Ça permettait les pentaises bombettes, qu'on avait déjà vu, je crois, Ouais. dans une autre vidéo. Ouais, sur les billettres. 8v5, ouais, qu'on a dû faire. On a fait pas mal de lettres semi-chères sur les billettes, c'est assez logique. Absolument. Poursuivons, il reste 126 mots dans cette première moitié de vidéo. Et bien sûr, on accepte les Vosgiens, qui ne Bien sont pas des sûr, même si... ivrognes. Hein. Non, il manque un R pour cela. Exactement. Songhai. Songhai, qu'on peut mettre avec un Y, Oui. c'est ça? Oui. Umbanda. Umbanda, ouais, alors là, c'est pas des mots faciles, hein. Non. Gavante, point. Point qui intervient dans la définition d'un vecteur en maths. Et là, je me Et demandais s'il y avait un l'autre. appui sympa ou pas à bipoint, mais peut-être que j'ai le même problème que toi tout à l'heure. Bon. On verra ça tout à l'heure. Grivois. Alors là, faut faire attention. Que proposes-tu? Il faut faire attention à trouver quelque chose déjà, ce qui n'est pas mon cas. Ah, mais moi, je peux trouver facilement quelque chose. Caprès, carpet, parcet. Tu vois? Rien ne m'évoque quelque chose, vraiment. J'aurais dit crapet, Bon. mais sans grande con sans forcément grande conviction. En tout cas, Je parle pas ça des me masses. dérange pas plus que les Tu autres. préfères danser la carioca. Oui. J'ai oublié le V. J'essaie vainement de l'ajouter. Croupal, qui est un adjectif. Dubnium,
qu'on a évoqué en lien avec le hafnium, parce que ça doit être la même chose en fait. Virémi, d'âge. Mais je crois que tu avais dit qu'il y avait deux symboles différents et tout, et du coup que c'était pas la même chose. Et Non? puis en fait, après avoir regardé sur le web, j'en Ah, suis d'accord. à la conclusion que j'arrivais pas à décider et j'ai oublié de Okay. demander à un Ah, collègue. d'accord. Donc ça, c'est l'ODS 8, peut-être? Driver comme ça, je pense pas. Avant, Non, non, d'accord. c'est déjà valable. Copté? Non. Non, D'accord. parce que copte, c'est juste copte. Ah, Pectus, d'accord. Oui. Asium. Ah, c'est lui, H.A. C'est lui! C'est lui, on l'a retrouvé! Ah non, c'est lui ou c'est le Anium? Oh, je suis encore un Wow. peu profond. Tu ne progresses pas de vidéo en vidéo, Non, non. Ben, c'est sûr que c'est pas maintenant que je vais progresser en chimie. j'essaye même pas. Primage, sédatif, alors qu'il y a une anagramme conjuguée. Et l'ODS quoi? 7 peut-être? Ou Non, 8? défait, je propose. Et Fadiste, personne n'en veut alors. Bon, parce que défait, ça marche bien, donc. Ouais, mais non, mais j'aurais pas mis de défait, enfin, ça n'a pas de sens. Ah bon? Ah d'accord. Ben. Ah bon, Ouais. alors peut-être Je pense Fadis, que mais c'est ça un nouveau m'évoque mot, absolument. non? Ça m'évoque absolument rien, je maintiens. Hein. Allez, je tente ma chance. D'accord. Bah, Tulium. alors trouvons la définition dans ce cas. Dans la conjugaison, je veux dire. Enfin, défait. Ah d'accord, mais alors il faut trouver la non-conjugaison. Parce que c'est écrit Parce plus que 1. oui, Donc il le y a trois plus 1, solutions. ça doit être défait. Vite, il nous reste 20 secondes. Opéable. Viamide. Ah, c'est bimédia. Ah oui, lombago. Lombaco. People. Ouais. Ben, on n'a pas le choix. Hein. De toute façon, on Ouais, n'a pas le temps de c'est trouver mieux. pas ouais. Oh, le miracle! Ah oui, ça... et c'était ODS7 fadiste. Ben, ça ne m'évoque vraiment strictement rien. Alors, il s'agit d'un chanteur de fado. Ah oui, mais oui. Vu comme ça. Vu sous cet angle. Et donc c'est un anagramme de défait. Bon, alors j'avoue que c'est un peu tendancieux parce que normalement les plus 1 c'est des conjugaisons et défait peut être considéré ou pas comme une conjugaison. Mais selon les nomenclatures. Normalement non dans le logiciel. Mais j'ai pas dû trouver comment présenter le fadiste autrement en fait. Et je voulais absolument le mettre ici. Mais techniquement il devrait pas être là. Il devrait être dans les anagrammes multiples, les trios. Avec, voilà, trois solutions, fadiste, défait, sédatif. En tout cas, on a fait 30 sur 30. Donc le crapet, un poisson encore, un poisson d'eau douce très coloré. Donc peut-être que tu peux trouver des photos impressionnantes également de crapet. Alors, j'ai pas l'équivalent photo de un mot.net, hein, ça serait sympa. Hein. Tu tapes un mot et hop, t'as une photo et j'aurais pu vous la mettre sur l'écran, quoi. Ça aurait été vraiment sympathique, mais là c'est compliqué. Hein. Il faudrait que je fasse. Non, ça me paraît très compliqué. Ils sont petits, hein, ceux-là. Ils sont petits, d'accord. Donc. Ils pèsent moins d'un kilo. Ok. Son gars qui peut effectivement s'écrire avec un Y. Donc ça, c'est cher avec le Y là. Hein. Déjà, avec le sans le Y, ça peut faire des dégâts dans les parties de Scrabble. Voilà. Donc, Vosgien. Bon, bah, les appuis sympas de Vosgien. Donc, ils sont bien connus. Souvent des joueurs de Scrabble, on peut mentionner un élégant Vessigon, c'est Vosgien en pluriel, Vessigon. Ivrogne dont on a parlé, Grévion, Vengeon, Vigogne. Genevois-Ségovien, le classique. Vigogne qu'on aura normalement à un moment dans cette série de Ah, logiquement. 7v4. Sauf que Ah non, non, c'est c'est... 7v5. Bon ben on l'a déjà vu alors peut-être. Umbanda au Brésil, culte. Ça, c'est la définition qui te met un stop, tu vois. Ah, pour une religion afro-brésilienne proche du candomblé. De la région de Rio. Ah oui, je vais vous mettre le petit wick wick. Voilà.
C'est quand même plus un peu L, plus facile. l'abdanum à mentionner. Très important. Le seul appui. Là, là, il y a un appui. Pour le coup. Qui est sympa. Galladanum. Très bien. Donc, gavant, gavante. LOD qu'on peut mettre sans le H. La plante. D'eau douce. Donc, tout est dans l'eau. Sauf Grivois. au Mbanda, ça se fait pas Ouais, dans l'eau. sauf les ânes aussi, ouais. Grivoiserie, d'accord. Et c'est écrit, non. Bon. Grivoiserie, faut y penser. Eh bien, c'est que Google Images me montre une photo d'un gars avec un énorme poisson pour Elodie. Quoi? Oh mais Il y a des gènes. c'est un complot, c'est un complot, le crapet est un poisson d'eau douce québécois. Très coloré. Non mais... Ah mais non, c'est on a déjà parlé tout à l'heure, c'est ça. Oui, on en a C'est pas déjà un parlé. complot. Bon mais il y a quand même beaucoup de poissons. Ouais. Vougeot, un vin de Bourgogne. Allez, on revient un peu aux fondamentaux là quand même. Coupable. Ourdé. Verbe ourdé. Maçonner grossièrement. Bon, un concile. Ok, l'appui I à noter colicine. Anagramme de concilier. Et puis il y a cunicole, un appui sympathique. Relatif à la cuniculture, qui est l'élevage des lapins. Qui est égal à la cuniculiculture. Ouais. Qui est plus tendue. Là, on rajoute culi en épenthèse, quoi. Ben, ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est cuniculi qui doit désigner le lapin. Le culi à la fin, c'est un suffixe qui veut dire petit en latin. Et alors, je ne sais pas trop ce qu'est le cuny au départ, mais ça a donné des mots grossiers en français. Dubnium, élément chimique artificiel. Oui, bon, bah, le fameux. Empalmé. C'est pareil que empaumé, tiens. C'est pas écrit, mais. Pas toujours. J'ai souvenir d'un épisode de Columbo où on a des démonstrations d'empalmage. Ah! Parce que Irène. c'est un geste de prestidigitateur. Non, mais d'accord, ouais. Donc, Virémi, c'était. Suis très déçu qu'on n'ait pas Amblyopite dans l'ODS parce que c'est le crapet est un Amblyopite. Ouais, mais il y a plein. On n'a pas de Acaster non plus. Acanster, je sais plus. J'ai vu un article récemment sur ces espèces de je ne sais quoi d'ailleurs qui attaquent les récifs de coraux. Alors en fait, c'est pas amblyopite, c'est amblyopites, c'est du latin, c'est peut-être pour Ah ça. ouais, mais si tu veux qu'on mette du latin dans l'ODS aussi, on est. Bon, Ah, il y en a plein, hein. il y On en a eu a, le il y en a. Il y en a, il y en a. Alors, coup d'âge, ok. Coulage, coupage, courage. Driver des. Ça, ah, c'est driveuse des suites, exact. D'accord. Ok. Pectose. Pectase également. Pectase qui prolonge en épectase. Oui. Alors, oula, il y a beaucoup d'infos là. Fondoir, lourd couperet de boucher, cousin fondoir. Assium, on n'a pas regardé, éléments chimiques également, voilà. Pectose. Donc, Edouard, tu feras un rapport sur le dubnium, l'assium et le formium pour la prochaine vidéo. C'était plutôt hafnium hein, pour le deux. Hafnium et dubnium. Et anium aussi, voilà. Oui. exprimage. Ok, ça c'est sympa, Oh. primage, exprimage. On pourrait penser que ça n'existe pas. Adhésif, abaissif qui n'ont pas de féminin. Donc, c'est la linguistique. Le fameux fadiste, on l'a vu. Il y a le badiste, il y a le zadiste. Tullium, le métal encore. Opéable. Et opérable en épenthèse. Est-ce écrit? Oui. Ah, c'est un anagramme de prolabé. Plus TP l'obate, ok. Diamide, voilà, c'est diamide et bimédia, le piège. Le piège car il y a diacide et Encore biacide. bien. Hein. Ouais. ED7 bimédia qui permet de jouer quelque chose avec ses lettres plus O amiboïde. Un oh, Benjamin célèbre sur Boïdé.
Lombago, limbago. Mais plumbago aussi, non? Ah non, c'est seulement plumbago avec le U. Ouais, c'est Voilà. ça. Pas se faire. Plumbago. Ouais. Et people qui est une variable, on décide, c'est pour ça qu'il est ici. Et les Avec orthographes des exotiques orthographes. comme people, people. Exotique étant la manière polie de le dire. Voilà. Et nous avons deux appuis sympathiques, proleps et estoppel, Voilà. En termes de droit, ça, estoppel. qui sont pas donnés. Effectivement. Très bien. Eh bien, nous allons pouvoir continuer. 96 mots programme. Marathi. Alors là, j'ai toujours un problème pour savoir où est ce H. Mais je pense TH. qu'il est à la fin. Oui. Oui, c'est THI. Ça ressemble à marathon, c'est pas dur. Et on peut faire marat également comme ceci. Oui. Voilà. Et après, c'est l'histoire, c'est quand on rajoute encore un T à marat que le H se déplace. Oui, c'est ça. Un Ponceau. ponceau. Propène. Encore de la chimie. Barbule. Et bim! Ah oui, j'allais proposer autre chose, ça ne marchait pas. Dans l'ordre. Alors, il y a couplet, copulet. Ça oui. Ainsi que. Ça, pour nous, c'est facile, la conjugaison. Et. Loupiac. Oh là 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 là, ouais, c'est Là. pas très facile par contre. Non, mettre le C à la fin. Là. La version Qui? des suites. Affreux. Ne nous demandez pas ce qu'on en pense. Abribus, de toute façon c'est trop tard, j'ai déjà dit. Pépette, picotin pour les ânes, de nouveau. Les gravats. Colibri, on peut penser à Ah bricolo. Brocoli, ciboule, un ouais. peu comme la ciboulette, non? Oui, je crois. Alors, comédon. Comédon. Voilà. Qu'on peut écrire avec EAU également. Je crois que Spice. c'est au DS7 pipoté. Ah, c'est Peut-être dur bien, aussi. ouais. Oui, c'est pas facile. Plus R, Classico. plus R et parenthèse aruspice. Classico. Le Avec deux S. classico. Avec un ou deux S, d'accord. Ah, ça fait c'est des termes de foot, tout ça. Calcio, Ouais, Classico. alors cornacé, acoréen, tout ça là. Qu'est-ce qu'on joue avec ça? Acorné? Oh là 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 là. Bon, à Cornet, ça sent vraiment mauvais. Hein. Comment ça sent vraiment mauvais? Non? Je ne Tu sais pas crois? moi. Il faut bien falloir jouer un mot. Cornacé, tu penses plutôt? Cornacé? Moi, ça, aucun des deux ne me parle, à vrai dire. Donc, Ah ouais, mais bah il faudra jouer un mot quand même. ouais. Le sans Plastique. faute qui risque Plastique, de c'est l'explosif. s'arrêter. Ovotide. Escobar. Essence. Huilage. Goinfre, qui est Ah ouais, aussi un j'arrive pas. if. Dingbat, les symboles. Ouais, agnat, c'est un rapport avec la forme du menton. Quelqu'un qui a quasiment pas de menton, en fait, agnat. Ok, Draveur, ça paraît correct. Oui, ah oui, Draveur, pas de problème. Il nous reste Donc. ce mot terrible. Alors, cornacé et E, c'est à peu près sûr. Mais là, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Cornacé et? Qui semble le plus Peut-être. plausible. Ouais, ça me. Acorné, t'aimes pas du tout, hein? Non. Ah, je pense que acorné, c'est quelque chose que qu'il faut pas taper. Ouais, Donc, je suppose t'inquiète que j'ai. déjà. Mais cornacé, j'ai peur que ça soit que E, hein. Mais bon, on n'a pas Ouais. trop le choix. Suspense. Rallonge sur Cornac, ça me paraît un peu Ah bizarre. ben voilà. Oh, d'accord. Eh ben Ok. merci à toi Un pour ce adjectif. refus. Acorné, adjectif, ouais. Ah oui, non, je le proposais pas en verbe, hein. Mais enfin, je le dis, j'en savais trop rien.
Orné de en héraldique, ok. Voilà, une faute pour nous. Donc cornacé seulement, ça doit être écrit, oui bah tout est écrit. Hein. Égal cornacé non féminin. Tout est écrit très précisément en dessous de pipoté, en dessous de tout d'ailleurs, voilà là. Et oui bah non, bah ça faisait longtemps que moi ça ne souvenais pas lequel c'était. Qu'est-ce qu'il fallait faire avec ces lettres? Pas facile. Marathi, Marat, Marat, voilà comment ça s'écrit. H. Polypropène. Sinon il y a propane, proxène. Photoémissif, qui fait toujours plaisir. Donc barbule. Un petit crochet reliant les barbes des plumes. D'accord. Est-ce que propène serait la même chose que propylène? Exact, bien vu. Mais tu deviens de plus en plus fort en chimie quand même. Hein. C'est noté. Donc polypropène, qui est pareil que polypropylène, du coup. Ça Voilà. paraît assez cohérent. Là, c'est logique. Ponceau, un coquelicot ou un petit pont. D'accord, plus acapouane à noter. Je l'avais mis. Ah ouais, c'est génial, c'est écrit égal marat avec deux T, quoi. Mais en fait, les trois sont pareils. Ouais, c'est plein Ok. de transcriptions du même mot. Langue indienne. Donc, à bicose, pareil que bicose. Loupiac, un vin. Oh, en fait, c'est marrant, ça donne deux quatuors en appui. Et Parce ça que donne Wazamana. Capitoul. C'est un vin aussi, Incluant Capitoul. Capitoul, l'hyposusa qui est pas donné. Hein. Et Capitoul qui est un ancien magistrat de Toulouse. Ah, je n'y étais pas du tout. Non. Il y a même le Capitoula, alors tu vois. Ah oui. Là, je suis bien obligé de capitouler. Ouais. Alors, sciable, donc abribus. Ok. C'est abribus. Il est dans le dico. Sciable. Sciable. Épenthèse, sociable. Bon. Ok. Pépette, qui est toujours au pluriel, mais il y a aussi une pépette. Et C'est le avoir truc. la pépette et avoir les pépettes, il y a les deux. Voilà. Pas pareil. Non, parce qu'il y a des pépettes qui ça doit être du pognon. Avoir des pépettes, Oui, j'imagine. oui, oui. En fait, si je le tape au pluriel, tu veux dire que. Voilà. Il met ça ouais, avec un ou deux T, mais toujours avec un S, dans ce cas-là. Oui, donc celui qu'on peut pas mettre, c'est celui-là qu'on peut pas. Avec un seul T, on peut pas enlever le. Parce qu'il n'y a, y a pas une pépette pour désigner du pognon. Voilà, Il non, y a il faut des plusieurs. différentes, l'une toujours au pluriel, l'autre toujours au singulier. C'est ça qui est étonnant. Donc, et voilà, pépette. Donc au Jarnac, s'il y a pépette, P-E-P-E-T-E, on ne peut pas aller le jarnaquer avec un T, mais on peut avec un S. Ouais, mais alors, regarde ici, il y a un problème dans la définition. Ils ont pas mis. C'est seulement dans le Wikwik qu'on voit jeune fille, là. Je comprends Ah, pour pas. désigner une pépette comme dans la chanson de Renaud, comme dans les Ouais, mais alors, chansons. c'est. Ouais. Bah écoute, ils mettent pas toutes les définitions, c'est tout, hein. Ah non, ils C'est n'ont pas eu besoin parce qu'il y a pépette et qu'il y a pépette. pas Ouais, au ok, niveau du. d'accord. Ouais. Ok, je comprends. Plus ou moins. Donc. Sûrement qu'avec un seul P, avec un seul T, ça désigne pas la jeune fille. Attends, on peut mettre aussi PEPETE, en fait? Ça doit être. Ah, oui, ça doit. Ah! Ouh là là! Mais alors, c'est bizarre parce que c'est écrit avoir la pépette. Oh! Ben, ça doit être ça qui est nouveau. Ok, en fait c'est pas vraiment un nouveau singulier, du coup c'est un peu faux ce. Je vais ouvrir mon ODS6 pour. C'est un peu le bazar là. Ok, bon en gros on peut tout faire, il n'y a plus de piège, si j'ai bien compris. C'est le Crois plus qu'on est en train de important fatiguer tout le monde à là. retenir, ouais, ils doivent se terminer, ils comprennent vraiment rien quoi. Bon, s'il n'y a pas de piège, c'est le principal, voilà. Effectivement, dans le DS6, il n'y avait que les pluriels. Et ça désignait uniquement le pognon. Oui, en fait, donc il y en a un sans le S qui est rentré en ED7 et un en ED8. Bon. En tout cas, maintenant, on peut faire ce qu'on veut et ça, c'est cool. C'est ça Alors, qu'il s'agit de retenir. Ouais. picotin, Et d'un ration optiste. d'avoine pour un âne. Incroyable! Ouais. Ouais. Bien vu. Gravat, colibri, ok. Là, au moins. Ok, ciboule. Ciboulette.
mais don, point noir, qui est pipoté au D7 effectivement, mais qu'on peut écrire EAU. Vous avez tout ce qui s'affiche sur l'écran. Auspice, un présage. Et aruspice, qu'on peut mettre aussi avec un H. Donc classico, une nouvelle graphie au D8 de classico. D'accord, c'est ODS8 avec un seul S. Donc le fameux adjectif acorné. Orné de cornes. En héraldique. C'est perceur. Tiens, pourquoi il y a autant d'héraldique dans le dico? C'est fou quoi. Perceur. Plastique. Donc effectivement l'explosif. Voilà, il y a beaucoup de prolongements à plastique. On n'a pas eu beaucoup de prolongements pour l'instant. En voici quelques-uns. Cela dit, c'est que des suffixes comme plasticage, plasticien, plasticine, plasticité. Là, il y a de quoi faire. J'aime bien plasticulture quand même. ou des super benjamins comme super plasticité ou viscoplasticité. Ok, un peu compliqué. Tout ça. Du coup, j'ai mis quoi? Ah, j'ai mis plasticage, plasticien, plasticité, etc. Et le verbe plastiquer, qui a un rapport avec cet explosif. Escobar, Escobar de riz! Oh Non. là là là! Je me rends Hypocrisie. compte que plastique, ça évoque aussi un chanteur belge, Plastic Bertrand. Un petit Benjamin des villages. Alors, goinfre. Effectivement, un goinfre. Ou. Coinfrerie peut-être? L'adjectif et coinfrerie. Certes, oui. Certes, oui. Frigorigène. Oh. Ah oui, coinfrerie plus G pour les amateurs de 11 lettres. Est-ce qu'on a fait le tour de cette série? Pas vraiment. Dingbat, c'est sympathique. Agnate. Ah ben c'est pas Alors, du tout. si, si, c'est noté, hein, ta Il est pourvu. définition précise dans le Wikwik. Voilà, pas dans l'ODS, mais dans le Wikwik. Agnate, vertébré aquatique, à noter Anya Agnate, ou Agna Agnate, descendant d'un même ancêtre dans le droit romain. C'est écrit ici. Et draveur, draveuse, qu'est-ce que c'est? Je suppose que celui qui drave manipule Les des billots billes de de bois. bois. Transporter du bois par flottage. D'accord. Allez, il est grand temps. Il n'y avait rien devant sciable. Hein. Ouais, non. Il est grand temps de poursuivre. Ovoïdal. Apodidé. Cardone. Avodiré. Pour dire, le S est Il y a obligatoire. ourdage et ourdé. Mahone. Candida, qui est un champignon. Bourracé, peut-être? Ouh là 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 là. Non. Pour assez, avec un Portugal. Je dirais brasero. Ah, ouais. Thermos. Allez, 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 encore trois séries, dont une petite. Ovidien, On a parlé de Capouane tout à l'heure. César, C'était Ponceau plus A. ouais. Potence, et non pas Pecnote, c'est un nom classique. C'était pédagogique. Discord, non. Discord. Ah oui. What else? Ouais. Ouais, c'est bizarre, hein. Diacode. Non. Fumeron. Adjectif. Ok. Et... Intransitif ou quoi? Bon, je dirais un transitif, ouais, Kokone. Commute.
Et ça pourrait être intransitif aussi, comme UT. Mais ça l'est pas. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Footing, wow. Oh J'ai oui. frugal. Non, c'est joli. J'ai déjà dû le rater celui-là. Cerbère, oui, ça... il y a de quoi. Bravo! On s'est D'accord. refait là quand même. Ouais. Donc, apodidé à vous direz, on y va. Donc, ovoïde, l'adjectif en forme d'œuf. Il y a ovoïde également. Apodidé, un oiseau à petites pattes de type martinet. Fiadone, tartelette corse au broccio. Vous apprenez peut-être le mot broccio au passage. C'est un fromage, j'imagine. Broccio, Je sais même plus comment. S'il y a toutes les orthographes ou quoi. crois qu'il y en a que trois au total. Broccio. Et Et quoi? broccio. Je vois pas Mais c'est quoi. il n'y a pas broccio. Ah, comme ça, oui. Oui, ok, ça se tient. Ourdi, donc oui, toujours pluriel, exécuter un ourdage ou poser des ourdis. Brasero avec un C ou avec un S, mais c'est pas la même chose. Coupeur de canne. Spécifique quand même. Le brasero pour se chauffer en plein air. Le thermos, toujours un S. Et si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez chercher des prolongements de thermos. Mais thermo sans S, ça existe aussi, non? Tu peux essayer, mais c'est pas recommandé. Oh là là. Un Ah oui, ça... thermo. Un thermo, c'est ça? Ouais, ça Mais évoque non. le thermo sudoku, mais ça évoque. Ah, alors là, Ça c'est. évoque surtout la thermodynamique. Ah. On l'appelle Ouais, bah non. couramment le thermo. Ils n'ont pas Eh voulu. ben, il serait temps. Tiens, Tu vas je vais te être un grand proposeur de mots. Faut pas que j'oublie de proposer le fianchetto des échecs. Attends, je tape thermo, 147 000 résultats. C'est pas So, mal. pardon. Non, 147 millions de résultats, pardon. Oula! Oui, c'est Mais beaucoup. c'est vrai que. Bah, peut-être en anglais, quoi, non? T'as Ben, tapé en français? le problème, c'est qu'il y a plein de mots en anglais, il y a des marques Est-ce que t'as mis page en français? déposées. J'ai rien réglé. Faut que Ah, tu mettes google.fr en fait. paramètres. Ou juste google.fr, ça marche, je pense. Ouais, Pas sûr à peut-être. 100%, mais On ça va va être la voir. technique, ouais. Alors pendant ce temps, on continue à regarder un peu la suite. Girafon, ok, girafo, c'est pareil. Millions. Combien? 128 millions, mais il y a plein de marques déposées, c'est vrai. Ah ouais, ok. Bon, mais il y a quand même de la référence, peut-être. Donc, papaine. Non, c'est papaïne. Papaïne, autant pour moi. L'enzyme du papayer. La papaïne. C'est joli. Cagnard-cagnardé. Acagnardé. Donc, un feignant et acagnardé. Habitué à une vie oisive. Ben, c'est relié. Ovidien des sept. D'Ovide. Ouais, avec tous les Esopiques et compagnie qui sont entrés dans le DS7. Capouan, capouane, le capou en Italie, thésard, thésard, potencé, adjectif, hein. Donc à la fois une potence évidemment et potencé en forme de potence. Et Alors, c'est vrai qu'on il n'y a peut pas de mentionner. potence. Il y a nil potent comme adjectif, mais il n'y a pas nil potence. Comment ça se fait? Alors qu'en maths, on parle de l'indice de nil potence, c'est quand même bizarre. Ah! Je sens qu'il y a un nouveau mot qui va être proposé. Faut que je les note. Oui. C'était quoi le précédent déjà? Thermo? Thermo, nil potence. Donc impotence, prépotence, unipotence, équipotence, omnipotence, totipotence, multi et pluri. Eh bien, la totipotence, propriété d'une cellule de se différencier en n'importe quelle cellule spécialisée. Et si on me dit que nil potence c'est un terme trop spécialisé, je vais renvoyer sur totipotence, je pense.
C'est vrai que ça va le calmer un peu, je pense. En plus, il est spécialisé dans la définition de totipotence, donc. Ok, Si on très met l'impotence, on met l'impotence, quoi. C'est bon, c'est tout. bien. Allez, on continue. C'est comme ça, quoi. Ouais. Alors, potencé, donc voilà. Morflé, Discord. Alors, Discord, musique qui n'est pas accordée, tiens. D'accord, cet adjectif. Ouh, alors là, il y a du type Super Benjamin, zéro discordant. C'est Oh. une certaine Ah. violence, quand même. C'est vrai. Le verbe discorder. Discorder, intransitif, être discordant. Et alors, sérodiscordant. Waouh! C'est un Ah. rapport avec la séropositivité, incroyable. En effet. Un seul des deux. Ok. Et alors, que reste-t-il? Il y a Diacode. des gens. Il y a des gens qui ont estimé avoir besoin d'un mot pour ça. Eh, des mots pour tellement de choses! Sirop à base d'opium. Fumeron. Et le verbe furomoner, fumeronner, intransitif. Bah, ça veut dire qu'il fume, quoi. Le morceau de bois. Guivré, adjectif orné de guivre. Qu'est-ce qu'une guivre? C'est un serpent, mais en l'occurrence, orné de guivre, on ne saura pas ce que c'est. Meuble représentant les armoiries, un serpent engloutissant. Bon, ça doit être ça en fait. Bah, si, c'est ça en fait. Oui, c'est un serpent, ok. Ah, Non, alors non, mais en c'est un fait, serpent en héraldique, c'est ça l'astuce, quoi. oui, mais en fait, Ok. c'est la même chose que la vouivre, un guivre, un animal fantastique ayant un corps de serpent, des ailes de chauve-souris et des pattes de pourceau. Serpent fabuleux, la vouivre. Ok. Bédégard, très sympathique. Alors, coconné, qui est effectivement intransitif, faire un cocon. Voilà. Et Figure-toi. commuter, changer. Dans le jeu Magic, la guivre, c'est Wurm. Wurm. On revient Rien toujours à Vurm, de toute façon. à voir avec la glaciation. Bédégard, la gale de l'églantier. Ah bah c'est écrit même là, tellement j'avais trouvé cette définition fantastique. Oui. Et il y a Bégard, Bégard, Bégard qui n'ont pas de féminin. Gerfaut, c'est un rapace. Frugal, l'adjectif évidemment. Le footing. Cerbère. Gardien. Et morbide, dibrome. La morbidesse! Oh. Délicatesse dans le modelé des chairs. Ouh, là, c'est technique aussi. Frugal, ça m'évoque Astérix chez les Belges, puisque c'est dans cet album de BD que j'ai appris cet adjectif. Et débugger le verbe qui est pareil que débugger avec U de G, mais faire attention de ne pas mélanger les deux orthographes, de ne pas mixer les deux orthographes. Ouais. Voilà, bon, allez, 37 mots, on avance, on avance, on avance. Dernière série complète, et puis il en restera 7 si jamais on arrive à trouver ces 30-là. Donc, fuégien, ça commence fort, hein. Ça doit avoir un rapport avec la terre de feu. Fêtage, je suppose. Mais Oui, je faisage. crois pas que j'aurais joué les yeux fermés. Hein. Ah, moi aussi. Ce n'est Popiné. pas forcément bon signe. Ah, J'imagine. un autre des suites. Donnez la patate, Ah. donnez la patate. Lombard. Ah oui, c'est un Flambant. adjectif, d'accord. Fardeau des suites. Catapa. Ah. Goulash, Bibas, hein, je crois. Oui, on peut mettre avec un C ou deux S et il y a Bibassier sur le même principe. Brocard, Apopouze. Ah non, pas pouce. Ah, c'est très bizarre comme mot. Voilà, tout à l'heure je voulais taper copter et c'était pectose. Et là nous avons Calcite. calcite. Mushers. Qu'on peut-être écrire avec deux S. Ah, ça. Enfin, en tout cas, le mot existe avec deux S. Je ne sais pas si c'est la même chose. Ah oui, Buggies. ok. Eh ben. D'accord. Quand même pas Calassea. C'est trop moche. Ce n'est pas qu'à la CA, je te le confirme. Mais qu'est-ce donc? Alors, on va faire CEE, par une terminaison honnête. Calais, non.
Allez, cassé. La cassé. Calassé. Calé, à calé. Il y a Bon, tellement de ah, choses. c'est cal. Ah, c'est cal. C'est Qui cal, ok, c'est cal. se prolonge en iléo-sécale en plus. Oh là 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 là, quelle erreur de ne pas trouver sécale Vaginé. plus vite. Et donc le verbe c'est venger. Pour ceux qui se posent la question, un canepin? Oui. Rubicon? Oui. Oh bah tiens, un cornet! Moi, j'aimerais bien un cornet, mais c'est un adjectif, il faut se méfier. Ah ouais, c'est un piège, hein. Donc ça c'est le verbe. Et nous avons le verbe. En devait, Et ouais. Et pendant longtemps, en devait était seulement à l'infinitif. D'un oui, seul coup, il y de a tout qui est entré. Videl. Fidèle, ouais. Redite. Et une moffette. Bien, bravo, fêtage, affêtage et renfêtage. C'est pas Mais en facile. fêteau. Ouais, non, quand même là. En fait tout, d'accord. Fêtage, sommet d'une charpente. Ok, d'accord. Fuégien de la terre de feu. Waouh. Un Classe. point de définition. Ah, tu l'avais, j'avais pas entendu. Ah, Alors, je vais l'ajouter. Popiné, c'est un nom féminin, attention. Femme canaque. Les appuis sont plutôt sympathiques, je vous les montre. Anglais. Péponidée, Popeline, Pompéien. Et voilà. Péponite d'ailleurs. Je commets toujours l'erreur. Donc, formant qui n'est pas un enfin, qui n'est pas un adjectif, qu'on peut mettre Il seulement. C'est un me nom. semble qu'il y a plusieurs formants dans la troisième sonate de Boulez, je dirais. Alors là, je vois qu'on peut prolonger formant de quantité de façon. Mais est-ce qu'il y a des. Ce qu'on va faire plutôt, c'est formant avec un S parce que. Tiens, thermoformant, bah on y revient. Chloroformant. Alors, il y a des verbes dans tout ça. Mais on voudrait bien savoir formant avec un S. Qu'est-ce qu'on peut mettre devant? Et la réponse est rien. Non, pas rien. Déformant et performant. Ok, ça c'est réduit comme peau de chagrin quand même. Non, c'est pas dans la deuxième sonate de Boulez qu'il y a un formant, c'est dans quoi? Fardelé, ça veut dire grouper des paquets. Il y a le fardelage également. Au père un fardeau, oui. Catalpa, arbre à large feuille. Carabin, étudiant en médecine. Bon, il y a carabine, mais c'est autre chose. Carabiner, adjectif, par contre, attention, pas de verbe carabiner. Goulash. Il y a pas mal d'orthographes, on en avait déjà vu quelques-unes, en voici. Donc bibas égale bibas et bibassier, bibassier, ça au moins je l'avais retenu. C'est par ici. Ah bah goulash c'est là. Trois orthographes donc goulash, on est d'accord. Brocard, plusieurs orthographes. C'est peut-être pas tout la même chose. Alors, apparemment, Oh. il n'y a rien qui est la même chose. Brocard. Avec un T, c'est pas pareil que brocard avec un D. La bibasse s'appelle aussi nèfle du Japon. C'est très joli. Un bibas à noter. Papouze. Petit indien. Calcite. Carbonate de calcium. Musher. Conducteur de chien de traîneau. C'est pensé au dog-cart. Encore un poisson, d'accord. Et encore, et on complète la collection de poissons. Ici, bah, de toute façon, on avait pas mal d'infos là, en fait. Buggy, ok. Vaginé, invaginé, adjectif. Canne de pin, c'est du cuir, plus up, assainir les habitants de La Paz. Accorné, c'est un. On a vu. Riddle, videl. Et malvenu. Et rodite, un insecte. Géhenne, l'enfer dans la Bible. Et ben. GN. GN, d'accord. Et Moffett, émanation de gaz carbonique. Incroyable Ah, cette définition. moi qui imaginais que c'était comme Bah, une je croyais que moufette. c'était la moufette, mais pas. Non, pas du tout. Rien à voir avec la moufette. Eh bien, il reste 7 mots. Oui, mais il te manque iléo-sécale quand même, dans l'erreur. Non! N'est-ce pas?
Heureusement que tu es là. Donc, sécal qui est relatif au cécum. Une partie du côlon. Et donc, effectivement, très dur. Et iléo sécal, vous le voyez ici. Voilà, qui est un adjectif relatif à l'iléon et au cécum. Ouf. Et il reste 7 mots pour cette première Allons-y. série. Vantage, j'en ai peur. Je le crains, je le crains, je le crains. Flamand, celui qui est rose. Il y a du Vantage. âge là. Hein. Premium. Scapula. Et Cancale. Pas loin de sécale. Ouais. Donc ça c'est quoi? C'est un nom. Oui, c'est les huîtres, Cancale, ou c'est Il y a les moyen, ouais. moules? Les huîtres. Les huîtres, bien vu. Par métonymie, les huîtres de Cancale sont appelées Cancale. Alors, vantage, il n'y a rien devant, mais bon, faut déjà se rappeler que ça existe. Veltage, vintage. Mafiosi avec un ou deux F, tout comme toute la famille de mafia. Mafieux. Mafioso. Évidemment, par contre, c'est invariable, c'est le pluriel. Par contre, tifosi, on peut mettre, voilà, c'est la différence. Pendage, dépendage. Fendage, épandage, mais avec un A. Ok, scapula, c'est une partie de l'omoplate, et il y a scapulaire et Scapulalgie! Voilà qui termine très bien cette première série. Scapulaire et scapulalgie. Et Cancale, c'était même écrit ici. Donc là, il y avait déjà plus de références hein, sur cette série. Au niveau des infos du logiciel qui sont générées manuellement. On le rappelle seulement pour que ce soit des informations un peu personnalisées et intéressantes. On espère que c'est le cas. Et là, on croit qu'on a fini, Edouard. On se dit, c'est bien de bien travailler. On n'a fait que la Et on a moitié. fait que la première moitié. Il faut continuer les efforts. Et on enchaîne avec les 155 suivants. Qu'est-ce que c'est que ce bug curieux d'affichage? Je ne sais pas. Je trouve ça assez particulier. Alors, par contre, ce que je vais faire. Ah, ça s'est affiché comme il faut. Eh bien, très bien. Je ne comprends juste pas pourquoi il y a un bug d'affichage, mais. Ah, voilà! Beaucoup mieux. Ah, t'es prêt pour la deuxième série? Ah ouais. Eh bien, allons-y. Surtout qu'on commence par Bissac, qui est un mot que j'ai souvenir d'avoir joué dans mon premier tournoi. Et on peut signaler l'appui E, qui est relatif aux mathématiques. Oui, abscisse. Que je ne risquerai pas à orthographier. C'est ABSC. Biopsie. Et je crois qu'il n'y a pas encore le verbe biopsier, hein. Non, il me semble aussi. Ce qui ne donne pas la réponse de ce tirage. Ah oui. Bagage. Pepton. Là, il doit y avoir des rallonges. Baptisé. Terme. Alors, est-ce que c'est toujours avec un S? Oui. Donc, comme thermos. Voilà. Ah, c'est pas en verger. Tu ne dis rien, mais. Non. C'est en grévé? Ah oui. Revenge. Mais en anglais. Alors, percola, c'est anagramme de clopera et de. Polacre. Génitif, bagode, cétacé, Intransitif. balise,
pluriel de baggy, tout comme buggy, buggies. Difluor. Pas facile à former. C'est un pluriel, il me semble, on peut l'écrire comme ça. Oui. Mévante, acidale, La vermouth. version sans le H. Non, pas marfil. Fermaille. Mais il est dur. Ouzard, je crois. Bien moyen. Bimodal. Qui existe avec un U maintenant, Drifter. Ouais, c'est nouveau. Et celui-là, qui est toujours difficile. Ah bah oui, ben en plus. Ah oui, c'est Je crois que c'est le ça. premier mot qu'on tape sur un mot.net si on précise pas de mot. Il nous met accueil. Et Premier mot. bim! C'est un verger, alors. Incroyable. Voilà pourquoi j'avais pas réagi. Ouais. Mec qui se C'est justifie a pas vrai, priori le mec qui de ne dit. pas avoir réagi à l'autre. Bon, je réagissais pas, c'était normal. Ouais, non, ben Je me là. rappelle les dictées où je rajoute des fautes à la fin. Ouais, non mais là j'ai mélangé avec engrêlé en fait. Engrêlé, qui est un anagramme de grainélé, grainelé, qui pour le coup est un verbe. Engrêlé adjectif, grenelé, ou grainelé, un verbe. Eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui, eh bien bissac plus e abscisse, c'est bien écrit. En termes de marine encore. Ah non, c'est juste une besace. Busace. Donc biopsie, pas de verbe. Pour l'instant, émulsif, émulsive, émulsifié. Ok, filmeur, filmeuse. On va regarder un peu plus les mentions qui sont en bas. Il y en a, la plupart sont déjà notées. Bagage d'un oiseau. Il Peptone, n'y a pas de... acétone, lactone, peptone. Et alors, il n'y a rien devant peptone. Eh ouais, non. Là, tu peux tenter des choses, mais non. Baptisé dolosif, dolosive. Terme toujours avec un S, voilà. Là, il y a des rallonges, hein, Ah isothermes. là là, on va pas Isotherme. se le cacher. Diatherme, isotherme, aérotherme, voilà. Ectotherme. Oh. Poids kilo! Ah ouais, c'est génial ça, poids kilotherme. Ah, poi, je dirais poikilotherme. Poïkilotherme, oh là là, autant pour moi. Ouais. Ah! C'est héliotropisme plus K. Bien sûr. D'accord. J'aurais pu te le dire si je l'avais su et que tu me l'avais demandé. Ah, c'est P plus C, c'est pétrolochimie. D'accord. C'est... Poecilothermie qu'on voyait ou pas? Ah ben, puisqu'il y avait, oui, il y avait Ouais, pécylotherme, qui d'accord. est quelque chose que poikilotherme. C'est un tout petit peu violent. Ok. Ça fait un beau super Benjamin sur kilo, mais un peu long. Ouais. Donc le fameux verbe en verger, croiser les fils de chêne, très technique. Polacrin, bateau de la Méditerranée, génitif. Ok. Et encore la linguistique comme adhésif, abaissif, pas de féminin. On pourrait éventuellement le préciser pour la prochaine fois. Attends, mais sécale en fait c'est un adjectif. Oui, bien sûr. Mais je l'ai même pas mis. Oui, c'est un féminin. Et pour le jour où quelqu'un fera une version du Scrabble avec les lettres bizarres, ça sera un mot de 5 lettres, l'adjectif Ah oui, sécale. avec le AE lié. Ah, raguin invariable, waouh, j'ai complètement oublié. Je l'avais bien oublié aussi. Ah oui, c'est pas évident. Un pluriel, Purée. d'accord. Oui. À vrai Donc dire, j'avais pluriel. oublié ce mot tout court. Hein, donc. En fait, j'ai même pas mis. Ouais, comme ça c'est plus simple. Ok.
Cétacé donc avec ou pas. Pandard, pandarde, pagaille, ok, 6 euros. C'est bon, unité de mesure. Vermouth avec un H. Pardon. Éventuellement, fermaille, fermo. Hussard, militaire, pas de féminin. Drifter, drifter et drift. Ok, très bien. Quoi, cocooner, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit intransitif, mais on est devenu transitif. Ça n'a pas de sens de dire ça. Ah, Il est donc le devenu coconnet et transitif. coucouné, c'est pas pareil en fait. Non, 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 c'est faire un cocon, coconner. Et ça, c'est Oui, ça me cocooner. rappelle quelque chose. Cocooner quelqu'un ou cocooner peut-être chez soi aussi, je sais pas. Soit, poursuivons. Modèle 7, Bodégon ou bien 6? Ouais. Bilocal, Séparer les ailes, c'est pas facile. des aveux, il faut pas jouer cabillaud. Un flatou comme ça me rappelle absolument rien non plus. Perclieux, là, tu crois vraiment? Ben non, mais je crois à rien, hein. J'enlève tout, hein. Sfumato finalement. Bon, allez. Mais on va jouer quoi? Crépelu? Allez. Oui, crépelu, j'y crois beaucoup plus. Allez, allez, allez. Foracé. Évidure. Digama. Lui, je le sens bien invariable quand même. Moi, je dirais aussi. Verbe passé. Alors, c'est cal, ça va pas marcher comme ça. Du coup, on va jouer la case. Ouais. Modèle 7, Stat. peut-être. Oh, ouais, Stat stat modèle. modèle 8, ouais, monstrueux. Et c'est un terme de maths qu'on emploie très rarement. Ah, il faut rentrer les rares, quoi. Dropage, oui, j'ai été surpris de faire rentrer un mot aussi confidentiel alors qu'Arxinus n'est toujours pas entré. Baboon. Adjectif. Adjectif. Cubitus. Il se prolonge en décubitus. Ah oui. Spicule. Go. Est-ce que Capelet t'inspire? Moyennement. Ouais, ça m'inspire pas plus que ça non plus. Mais bon, je suis pas trop inspiré de manière générale avec ces lettres. Il y a frangin en dessous, comme ça c'est fait. Capelet. Écoute, c'est peut-être ça. Hein. Un pétacle. Épectal? Non. C'est pas épectal? Non, il y a épactale, Épactal. qui est un terme d'astronomie, je crois. Ah non, c'est relatif aux marées épactales. Allons pour Capelet, ça sonne bien. Ouais, Capelet. Capulet, waouh. Cousin de Ouais. Capulet. Ok, une tumeur au jarret d'un cheval. Ah. Et Capulet, c'est petit capuchon. Avec ses trois anagrammes, Ah oui. Pécula. pécula, pulta, Tassé. Ouais. u. Tropage avec un ou deux P. Baudégon des 7. Forme de nature morte. Bouebo D7 également, on a eu 2 D7 au début là. Givron adjectif, il n'y a pas de problème, pommeté c'est confirmé comme un adjectif qu'on peut également mettre avec 2 T. Pommeté. Effrangé, décubitus bien vu, spicule spinule. Et les appuis sont notables apparemment, alors on va les montrer. Oui, disculpé, duplice. Même spéculer, pas facile, je pense. Ouais. Inculpé, insculpe. Liposuccé, supplice. Ça, c'est pas facile. Donc, bilocal adjectif, désaveu, y a pas de problème. Piperin, piperine. Caloïde. Eh ben, si tu penses que c'est alcaloïde, tu penses qu'il n'y a pas piperine quand même. Hein.
Surtout que c'est pipérin et pipérine, Piperin, attention. ouais. Piperin, Sfumato, c'est toujours joli. Commencer par SF, encore les beaux-arts. Crépelu, adjectif. Pareil que crépelé. Il y a crépelure. Est-ce que c'est écrit? Non. Oh, crépelure. Il est partout ce crépelu. Voilà. Et juste en dessous, on a Perclus, Percluse, n'est-ce pas? Absolument. Perclus, Percluse, qui s'écrit absolument comme ça. Donc, que nous avons en appui peut-être. Oui, forcément. L'anagramme de sépulcre. Ouais. Donc, pour assez avec un ou deux R, la couleur d'un poireau. Et oui, il y a des mots pour dire la couleur d'un poireau. Pécard, la musique, on y revient, qui annule le Ouais. bémol ou le dièse. Ok, il y a bicar. Ah, bicarré, c'est les maths, d'accord. Bicarré, Ok. Cern utilise ça? oui. Oui, il y a Bicarré. notamment les équations bicarrées. D'accord. Bon, c'est Péperon qui n'a pas de féminin. Humoral, huméral. Bipasser, c'est un verbe, égoïne. Avec ou sans H, dropage 1 ou 2P, Felaga avec ou sans H, tout comme Aga. Et voilà. Décubitus, très sympa. Statement. Fonction mathématique. La case. Ah non, la case, c'est au dessin. D'accord. Je suis mélangé avec quelque chose. Lactéal, sans doute. Et La digamma qui est confirmé, c'est la gamme. définition complète d'un statme, c'est quelque chose. Ah d'accord, là ils sont allés au plus simple. Oui, ça intervient dans la division euclidienne. D'accord, ça suffira amplement. Ouais. Comme Pommeté. par exemple, le reste, quand on fait une division, c'est un statme. Ah cool. Ouais. Donc ça D'accord. généralise le reste de la division, le statme. Bobino babouine, c'est l'appui. Capelet, spicule. Élément épineux du squelette des éponges. Spinule, petite épine. Allez, 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 96 mots pour finir cette vidéo. Les fleurs, murin, adjectif, suspect, cacaoui, Très qui joli. existe aussi avec trois lettres chères, une sorte de canard, je crois, le cacaoui. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette conjugaison? Eh non, ah non. Non. Mais pas que. Ouais, c'est bordage, hein. Oui, parce que ça, on se contentera de la broderie par ailleurs. Voilà. C'est déjà bien suffisant. C'est quand même un sacré piège. Ça va. Et le retour de brocoli. Brocoli. Ouais, et c'est épiboli, oui. Ouais, et c'est épilobe, hein, c'est pas épilobé, il me semble. Je crois également le piège. Il y a bilobé, trilobé, etc. Palpeur? Peut-être. Ça me parle. Je suis pas sûr qu'il y ait de féminin par contre, mais. Ah. Mais bon, quand même, c'est possible. Eh bien, voilà un féminin. Mafioso, c'est assez amusant. Alors là, faut faire attention, c'est Ouais, et ben, Brisance. donc cinabre. Je suis passé par Brisance pour trouver cinabre. Pareil. Ferrage. On a dû le voir tout à l'heure passer. Oh bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Ça doit Serait-ce être quelque cabinet? chose. Souli, Chromos, Vertigo, comme la chanson de U2, ou le film de Hitchcock, bien sûr, Flamine, Griffon. Avec un ou deux On l'a F. eu, ouais, on l'a eu avec deux F dans Ouais. une. Ouais. Oui, bah oui. Et écrit-veut-on également. Ok, c'est mieux pour cette série. 30 sur 30. Riflard, un parapluie, pas de féminin. Murin, murine.
Mur, mussif, musi, mussive. Cacahuète qu'on peut écrire également avec plus de lettres chères. Oh, je vais chercher des photos de cacahuètes, j'ai envie de voir. Donc un canard sauvage de l'Arctique, la grande classe quoi. Surtout avec Kakawi là, c'est en Scrabble au premier coup Joker K. Quand même difficile de faire un coup plus beau. Cacahuète avec cette orthographe n'a pas son entrée dans le DS8. Oh, c'est beau! En fait, ce serait tellement dommage si c'était sorti au premier coup. Tu pourrais jouer Ouais. Akoué qu'on a vu tout à l'heure là. Ouais. Ah là là. Le oh, la arêle de cacahuète. Ah, mais tu as oublié de me mentionner les prolongements de ferment. Ah oui. Lab ferment quand même. Ouais. Et anti-ferment. Oh là là, on peut refermenter également. Et il n'y a pas fermentolactique. Ouais, peut-être, c'est écrit plus 5 mots. Voilà, je sais pas. En fait, ça fait beaucoup trop de lettres. Lab ferment. Je suis pas sûr que ça existe, en Et fait. anti-ferment. Ok, ferment. Et Non. donc fermenter et refermenter quand même. Non, il n'y a pas de fermentolactique, hein, j'ai dit n'importe quoi. Il y a lactofermentation, par contre. Donc fermenter, refermenter, je le rajoute pour la prochaine fois. Ah, comme prolongement de referme. Ouais, c'est la classe, hein. Bordage, abordage, sabordage. Transbordage. T'en veux trop, tu le sais. Ah oui, ah oui, j'en veux Pas encore trop. de transbordage. Bordagère, c'était bien quand même. Ah ouais, c'est vrai. ODS-8 en plus. Ou 7. Bordage. Non. Ah ouais, mais alors. Ah oui. Ok. Ah oui, tu as la rap de bordagère, mais pas sur bordage. C'est ça. Bordage, bordagère. Je le rajoute, c'est effectivement notable. Bordager, bordagère. Nippon qui peut s'écrire qu'un ou deux n, tout comme Lapone et un autre. Je crois. Mais c'est pas écrit. N'hésite pas à nous le mettre en commentaire. Bibit, avec un ou deux T, il n'y a plus de piège. Si je ne m'abuse. Il y a pas Ouais, non, il n'y bébite a plus avec. de piège. Il n'y a plus de Ah non, piège, c'est fini. Il y a de moins en moins de pièges. mais il en C'est reste. il en reste un certain nombre. Épilobe, effectivement, c'est un nom bien vu. Et plus I, épiboli, et plus R, péribole. Palpeur, c'est un capteur. Ah, je sentais le coup fourré, mais j'étais pas sûr. D'accord. Palpeur. Capteur placé dans des appareils de mesure. Épilobe. Plante à fleurs pourpres. Papesse. Femme pape, selon une légende. Dans la définition. Ah oui, on a déjà vu cette définition. Ouais, c'est pas pire Le que mofo qui a été employé dans le dictionnaire en anglais, mofo qui est employé par, par tel auteur, bon on le laisse dans le dico quoi. Cinabre. Ok, c'est du sulfure rouge. c'est parfois employé pour désigner une couleur. Ah, d'accord, ferrage, déferrage, cabinet intransitif. Voilà, ça veut dire ce qu'on pense ou Ah, ça pas. voulait dire ce que je n'osais pas penser. Et caca Cacaoté, est au adjectif, pluriel. ouais, attention. Cacatoès, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ouais. Qui Le existe aussi avec classique. les K, comme le cacaoui. Bobonne plus M égale plus N. Oh, le truc mystérieux, quoi. Une équation mathématique. Ici. Bonbonne avec un M ou un N. Contrairement à bonbon. Malouf égale malouf avec un A. Il s'agit d'un genre musical d'Afrique du Nord. Slougi, un lévrier, voltage, bivoltage, dévoltage, survoltage, houmous qui s'écrit également HO2MOS, flamine et flamina, et griffeton, et il y a aussi griveton. Alors, il faut y rajouter peut-être. Et oui, ça renvoyait pas. Griffeton, il y a griffeton, griveton,
Griffon, il y a Griffon, Griveton. Il y a Griveton quelque part par là? Non. Ok. Très bien. Alors, on se rapproche de la fin. Plus que deux séries complètes à faire. Qu'est-ce qu'on n'a pas débriefé? Le vertigo, la maladie du cheval ou de l'âne. Berbère. Ok. Volémie. Volume sanguin total. Flamine, On c'est un aura vraiment parlé prêtre. du cheval pendant toute l'émission. Ouais. C'est thématique. Griffon. Un simple soldat. On y va. Malval, une plante. Il y a Malvacé. Apical, une autre plante. Enfin, j'espère. Beaupré. Beaupré, très joli à former. Ou des suites, peut-être. Je crois que c'était déjà bon. Ah non, c'est des suites. Foraine. Cette fois, c'est bon. Ah oui, c'est pas Furumen, il faut jouer. Forumen, il fallait jouer quoi? Fumeron. Oh. Capelan. Ah, c'est pas facile. Va rendre. Hein. C'est Silice, est-ce que c'est... La maladie des batraciens aveugles? Un batracien aveugle peut-être? C'est pas la Cécidie, ça? Ouais, ben j'ai peur de confondre. On verra. Ouais, je crois que t'as raison. Tocaté. Purée. Tocaté! Oh là là là, tu parles de Tocata! Courson. Existe aussi avec le S à la place du Cécidie. Après la Abbesse. papesse, la baisse. Mais je pense que l'abbesse, elle est pas légendaire. Non. I. Hurdler, qui existe aussi au UR, mais depuis plus longtemps. Celui-là aussi. Depuis plus longtemps. Holisme. Holis moliste. La babale après la papate. Non, ça n'est pas Glifton, ni C'est ce que j'avais Lofting. envie de faire aussi. Un C'est pas. lofting. Non. C'est Flingo. quoi un flingot? Ah, je vais freiner. Uccloy. Oh là 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 là, il est dur. La Belgique. Sébacé. Douvin. Schengel et pas English. Oh tiens, je dirais en verger, mais je suis pas sûr. Oui, carrément. What else? Ok, bravo pour ce 30 sur 30. Il reste 36 mots. Malval, c'est bien. Apical, c'est un adjectif. Une Oh, plante et apical, c'est un adjectif autant pour moi. Oh là 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 là, rien à voir avec les plantes. relatif à l'apex. Mauvaise nature, mauvaise définition, rien n'était bon dans ce que j'ai dit. Relatif à l'apex. D'accord. C'est mathématique ça alors? Non, c'est plus de la botanique. Ah ok. Beaupré de la marine. On n'en a pas eu trop. Le dumper des suites, effectivement, l'engin de terrassement qu'on peut écrire avec seulement ER. Foramen, un petit trou anatomique. Plus I, foraminé, percé de trous. Et est-ce qu'on a foraminifère? Oh là là, tu vas trop loin là. Foraminifère. Oui, c'est bon. Protozoaire marin. Ouioui. Capelan, palanche. Poisson voisin de la morue. Par Ah oui, contre, pas palanche, l'ange. pièce de bois. Ok. Clipart. C'est la collection d'images. Ah, ça Plus. donne tropical qui est difficile à former. Tiens, ça donne pictural et triplace, donc c'est plutôt sympa. Vous voyez les appuis ici. Hamster, c'est asthme plus R, quoi. Deux mots très faciles à former. Asthme qui donne statme aussi. Ah, waouh! Ouais. Flandre.
Rondin plaqué contre le toit d'une galerie de mine. Crispin. Dans le sport, une manchette. Plus U, prise unique. N'est-il besoin de le préciser? C'est bête. OD5. Un oignon encore vert. Cécilie. Batracia aveugle, là, poids, poids, poids! Bravo, bravo. Ah là là, j'y croyais pas. Ceci dit, la gale des végétaux. Ah, bien sûr. Oh. On en a eu de la gale hein, aujourd'hui. Ouais, pas mal de gales. Alors, courson, courson, effectivement, une branche. Galvano. Et galvanotype! Oh, chaque fois que je le redécouvre, quoi, c'est incroyable. Ah, galvanomètre, galvanotipi. Oh là. J'ai mis Ah, palier, Galvan. etc. Je pensais que c'était l'abréviation de galvanomètre, moi. Si, j'ai mis Mais etc. peut-être aussi, en fait. Galvanomètre, appareil qui mesure les courants électriques faibles. Galvanotype, cliché obtenu par galvanoplastie. Et là, tu vas me dire, mais quelle est la, qu'est-ce que c'est cette galvanoplastie, Sylvain? Dépôt électrolytique sur un support. Galvanocotère, devant cotère. Ah oui. Ça, c'est violent. Etc. Le etc. n'est pas de trop. Donc, amati, un crustacé, attention. Amati, bon, il y a le verbe amatir, hein, mais bon, voilà. Hurdler, forgeur, forgeuse, holisme, holiste, babal, plus emblâmable, uclois, ucloise, et donc de uclin. On les salue, écumage. Y a pas de problème particulier. Sébacé qu'on peut mettre sans le E, c'est relatif au sébum. En verger, le verbe est prolabé l'adjectif, ainsi que opérable le retour. C'est l'anagramme de. Ah, opérable, opéable, on a vu, ouais. Est-ce que le douvain est un parasite, comme la Bois pour douve? faire des tonneaux. Eh bien, c'est pas du tout ces douves-là, donc. Et oui, alors voilà, allez, dernière série complète, le bout du tunnel de cette série, pas facile du tout, avec Apiacé. Mitzvot Mitzvah, invariable. qui est le pluriel de mitzvah. Pitbull. Un cracra. Qui est devenu variable, c'est pour ça qu'il est là. La La plupart plupart ne l'est des pas. Probité. probités. Baribal. Pluriel avec un S, hein, je pense. Oui, absolument. Ça doit Parce être que un animal. baribo, là, je le sens pas, là. C'est un animal, le baribal, je pense. Je me mouillerai pas. Ouais, Je dis diplôme, le brome. retour. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, il ment, ouais, c'est vrai. Plus Ouais. S, ethnisme. D'accord. Muscade, grouvé. C'est un transitif, grouvé? Oui, je pense. Marshall, ah. C'est joli. Bicorne, comme les polytechniciens. Ah, bah, comme. Non, c'est. Ouais, c'est un nom, donc. Et plus un écrobi, du coup. Et non Oui. pas bicorné, quoi. Intransitif. D'accord. Ne quittez pas, nous allons bientôt trouver. Écocité, waouh! Ah. Une écocité au des suites, alors j'imagine. Où Peut-être c'est? bien. Où Et c'est? s'image. Ah, c'est penser à Bipoin et Biscottin, mais. En passant par Biscottin, non, ça marche pas? Non, parce que Ah, parce que déjà. c'est au des suites, c'est pour ça! Ah, Et les bien sûr. monstrueux! Eh ben, il est pas plus facile celui-là. Ok. Tout petit peu. Oh bah oui. Pitbull, Allons-y, hein. Vendéen, Après les Vendéens, les Angevins. c'est pas très loin, hein. Glavio, pioncé, c'est un nom féminin. Oui, car le verbe est intransitif comme tout le monde le sait. Et Hé, un hey, il limbago. est là, ton plumbago! Voilà. Ouais, bravo, Pluximo!
On a bientôt fini, bientôt les applaudissements. Une erreur dans chaque moitié pour l'instant. Ça reste honnête. On aurait pu faire mieux, mais c'est déjà très bien. Apiacé, donc, qui n'est pas du tout un adjectif, c'est une ombellifère. Ah là là. Donc, mitzvot, mitzvah. Voilà, pitbull, cracra, qui est devenu variable en OD7, c'est pareil que crade. La plupart, bon, bah, évidemment, un variable, la probité et l'improbité. Qui ne me sont pas très courants. Un ours noir, bien joué. Un point définition. Voilà, on a explosé le compteur des définitions quand même aujourd'hui. Ouais, j'ai juste dit que c'était un animal. Hein. Ouais, c'est déjà un demi-point, ça. J'étais quand même loin de savoir que c'était un ours. Est-ce que tu voulais tenter l'âne? Non, non, j'étais plus sur un félin en fait, donc D'accord. j'étais quand même assez loin. Ça sonne un peu comme le chacal, quoi. Ouais, c'est ça, chacal, serval. Tout ça pour dire que ces animaux font le pluriel en S. Hein? Oui, bah oui. Écolier. Je ne me lasse pas de le signaler. Ça finira par rentrer, t'inquiète pas. Rubiacée, très joli. Écubier plus A, rubiacée. Plante de type gardenia. Donc dibrome ieuement plus A et matine. Et plus. Pas du tout plus H, parce que sinon ça va faire bizarre. Donc ieuement. Je vais aller Oui, il corriger cet appui. C'est le pluriel de ignement qui est l'anagramme de ethnisme. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Voilà, je peux vous mettre ethnisme. On peut pas le préfixer d'un C, par exemple. Non. Muscadet et muscadelle. Joli. Et ça évoque muscadin, qui est l'anagramme de scandium, histoire de reparler un petit peu de chimie. Groové intransitif, triplé intransitif. Marshall qui fait également son pluriel en S. Il y a Marshallet. On est des îles Marshall Ouais. dans le Pacifique. Alors, bicorne, chapeau A, 2 points, plus un écrobi, c'est bien écrit. Primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi. Ça reste Quintidi, pas. sextidi, septidi, octidi, décadi. Allez, 10 mots d'un coup, on finit par 10. Ils sont tous variables. Allez, triple écocité au D8, effectivement. Et précocité! Voilà, ça Ah. va quand même. Essaimage, écumage. On peut retenir les deux en même temps, ça peut être bien. Angevin, angevine, ferrade quand même. Marquage des bestiaux. Berk. Bitcoin, très dur. Plus S biscotin, peut-être on peut les associer. Du coup. Je vais le rajouter. Oula, mais je suis où là? Écocité, il est. D'accord. Il n'est pas à l'endroit habituel. Donc biscotin qui n'est plus unique. Décorum. People. Vendéen, je vins. Boucau, bou. Ah, beaucoup tout ça. Et allez, les autres boucaux là, mais. Avec un D. Ah oui, c'est le mot où tu peux pas faire de faute d'orthographe en gros. Avec ou sans T, avec un D, avec un T, avec un X, avec OT, ouais. Sauf Mais. si tu essaies d'écrire en cinq lettres. Ouais, mais il y a trois sens. Glavioté, c'est pas très ragoûtant. Et pioncé, effectivement, qui est uniquement à l'entrée. Pioncé et le sommeil profond. Car pioncé est intransitif. Bon, on nous précise, car on est sympathique. On ne veut pas nous piéger comme ça. Donc il y a pioncé. Et donc le fameux limbago, plumbago. On tombe. Et alors il reste 6 mots. Commençons Macramé, par le petit macramé. succise, je crois que c'est une plante encore. Ouh. Gémage, pascuant de l'île de Pâques. Le gémage des arbres, j'imagine.
Ça, j'en suis jamais incapable. DET intransitif. Non? Non? Ben en fait, tu dois avoir raison. Mais c'est vrai que je ne m'en souviens pas bien. Et nous terminons avec... Cupès, je pense. Ah, c'est pas facile. Bravo! Et c'est effectivement attentif. Succis C'est une une fleur. fleur. Plus N, un succès. Gemmage, incision de l'écorce de certains pins pour récolter la Oh gemme. là là, dis donc, grand chelem sur toutes les remarques là, Encore hein. un point définition. Oh là là. Pascuan, Pascuan. De l'île de Pâques, effectivement. Tout est bon. Tout est bon dans cette dernière série. Cupès. C'est Suisse. Culbute, faillite, désordre. Faites votre choix. Tout est écrit là. Vous pouvez piocher. Et nous terminons cette série en 37 minutes. J'ai l'impression qu'on est un peu plus vite pour la deuxième série. Et on a fait une faute dans chaque, si je ne m'abuse. Ça. Et on a débriefé beaucoup de mots. Ben, 212 hein, ici. Et il nous reste donc à peu près 200, 210. 210 mots pour terminer ces C'est quoi? mots de 7 lettres de poids 4. Je crois que c'est 310 en fait. Ouais. Oui, c'est ce que je me demandais. Voilà, très bien. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. À partager la vidéo, à vous abonner. Merci beaucoup, Edouard. C'est toujours un plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir! Salut.